Bonjour. Je dédie ce film à mon ami Christian, qui travaille aussi sur un Tara depuis plus de 5 ans. Et qui l'a toujours pas. C'est le tien ? C'est comment ton prénom ? Laurent. Laurent, est-ce que tu peux me présenter ? Bah, il connaît, hein. Oui, non, mais pour les gens. Ah, tu connais déjà Christian ? Bah, il m'a envoyé des mails. Hein. Bon, alors. Je me posais la question pourquoi j'avais pas fait les tirs irréfatables. D'accord. C'est tout. Donc tu connais Christian ? Voilà. Ah oui, il vient traîner sur notre site. Ah bah il traîne pas, mais c'est un fou furieux. Si tu as vu son bateau, tu tapes Tara sur internet et tu verras la coque, on l'a déjà testé. 1m73,5 quand même. Il est haut, toi, il est haut. C'est un 16,5 je crois, ouais, voilà. Un truc un peu bâtard. Là c'est 22,5. Ah d'accord, 22. Bah, vous êtes quand même des gens compliqués. Hein. Magnifique. Non mais, non, non, mais je dis rien. Bonhomme, alors j'ai trouvé quoi, 22e. Ah d'accord, toi tu fais les bateaux par les. D'accord. Et quoi? Et tu l'as fait en combien de temps? Là ça fait 4 ans. Oh bah alors ça va, vous êtes deux cinglés fini, alors. Il n'est pas fini. Hein. Non mais il est quand même en version Tara. Et. Ouais. Lorsque je l'ai visité, il me semble qu'effectivement, ça c'est la dernière version parce que ouais. La partie arrière, quand je l'ai visité, il avait la partie en plastique ici et le treuil ici. D'accord. Et tu as les deux moteurs dans le. Tu as les deux moteurs dans le. D'accord. C'est magnifique, hein. Quel travail. Bon. Les voiles sont en quoi? C'est de la cerf-volant. De la voile de cerf-volant. Ben voilà une bonne idée. Avec à l'intérieur des renforts en plastique du bureau. C'est léger. C'est fait par la copine à ma femme. Ah bah écoute, moi j'ai rien contre les copines à ta femme. Ah bah, elles sont faites à la main. Magnifique. Salut Christian.